Depuis quelques semaines, Didier Gandillon joue les justiciers. Bonjour. Comme vous avez dit que je passerai. Voilà, enchanté. Bah dites-moi, j'aurais peut-être allé voir tout de suite le produit. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Josette, 73 ans, et son mari André, 75 ans, ont cru faire un bon achat. Vous avez un moteur qui est ici. Ils se sont offerts ce lit électrique. Télécommande, vous l'avez là. Voilà. Qui, à première vue, fonctionne parfaitement. Mais pour se l'offrir, ce couple de modestes retraités qui vit avec 1300 euros par mois a déboursé 3600 euros. Pas de marque. D'après Didier, qui est un professionnel du meuble, ce prix est excessif. Produits, parce que normalement, les produits, en général, ont un nom ou un fournisseur. Un produit sans marque comme celui-ci, vous avez des télécommandes où il n'y a rien, il n'y a pas de nom sur les moteurs. On ne sait pas ce que c'est comme produit. Moi, pour moi, ça ne vaut pas 1000 euros. Non seulement ils l'ont payé une petite fortune, mais en plus, les livreurs l'ont installé à la va-vite. Il y a un pied là-bas, mais ici, il n'y en avait pas. Donc j'ai dû mettre des cales, prendre la mesure pour mettre une cale équivalente à celle de devant. Quoi. Pour qu'il soit stable, André a dû bricoler des pieds de fortune. Ça touche comment, hein, chef? Ah, vous avez fait un super travail. J'ai pas vu. C'est un 3. Eh oui. Et comment vous qualifiez ce type de travail? Je veux dire, livrer un lit... 3600 euros, un produit comme ça, livré dans des conditions comme ça, avec le client se débrouille par lui-même avec ça, mais moi, je déposerai plainte. Moi, c'est de l'escroquerie, c'est du vol, c'est même à la limite, c'est le non-respect d'un client. C'est... Et la première nuit, bon, mon matelas, il versait. Je n'ai pas pu dormir. Ah, il tombait? Je remontais sur le côté, le matelas, il versait. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas tenu au milieu, donc il faisait le creux, ça faisait le creux au milieu. Josette et André ont été victimes de vendeurs de meubles peu recommandables qui sillonnent la France. Ils s'installent pour 2 ou 3 mois à l'écart des centres-villes, dans des entrepôts ou de grandes boutiques inoccupées. Ces magasins éphémères proposent des canapés, des fauteuils ou des lits bas de gamme à des prix exorbitants. Leur cible, principalement des personnes âgées, qu'ils attirent grâce à des publicités comme celle-ci, leur annonçant qu'ils sont les heureux gagnants d'un cadeau. Par ce courrier, je confirme que vous avez gagné un astucieux cuiseur vapeur et un clavier d'ordinateur. Pour les convaincre de faire un gros achat dès la première visite, il leur demande de venir en couple. Une fois sur place, le piège se referme. C'est ce qu'ont vécu Josette et son mari. Ils ont tout d'abord récupéré leur cadeau, sans se douter de la suite. Un service à café. Et là, 2 petits déjeuners, je pense. On allait chercher ses cadeaux. C'est ce qui vous a attiré dans le magasin? Voilà, mais ça a été beaucoup trop loin. Car ces petites attentions ne sont qu'un prétexte pour les faire acheter. Quand on est arrivé, un grand. Il nous a dit, je vais aller chercher les cadeaux, comme faites un petit peu le tour du magasin. Et puis, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voudriez acheter qui vous plaira en ce moment? Je dis, on n'a pas envie de trop acheter, mais enfin, la prochaine fois, ça sera peut-être un lit. Après, il y a un autre vendeur qui est venu, et puis on s'est laissé embobiner, comme on dit. C'était franchement, il fallait acheter, c'est ça. Voilà. Vous ne sortiez pas. Ah non. C'était impossible. Vous vous êtes senti coincé. On s'est senti coincé. Le vendeur leur propose de payer les 3600 euros grâce à un crédit remboursable en 5 fois sans frais. Et pour ne pas leur laisser le temps de réfléchir, ils sont livrés le jour même. Aujourd'hui, avec l'aide de leur sauveur, ils espèrent se sortir de ce mauvais pas. Merci. Voilà. Merci à vous. Si on arrive à sortir du pétrin, je vous remercie. Merci, messieurs, dames. Au revoir. Ce n'est pas seulement par altruisme que Didier Gandillon vient en aide à ses retraités. Il est directeur d'un magasin de meubles traditionnel qui a pignon sur rue. Et avec un de ses collègues, il a décidé de partir en croisade contre ces commerces qui leur font du tort.
surtout pour notre réputation, parce que les gens, après, font un amalgame sur la vente d'ameublement. Et on est tous mis dans le même panier. Et c'est très mauvais pour notre image. On n'accepte pas des gens comme ça pour nos consommateurs, pour les clients. Depuis cette route, ils peuvent observer le fameux magasin. Il a ouvert ses portes dans une zone commerciale, à 15 minutes de Saint-Étienne. Voilà le beau magasin que vous pouvez voir, qui est là pour quelques semaines. Nous l'espérons le moins longtemps possible. Et en ce samedi matin, il constate avec inquiétude les allées et venues des clients. Pourtant, la nouvelle enseigne n'est là que depuis 2 semaines. Il y a peut-être des gens aussi qui regardent et qui s'en vont. Hein. Tu vois ? Lui, il vient de rentrer là. Hein. Tu vois encore un autre couple qui arrive à pied ? Je ne sais pas si tu les vois à travers les arbres. Qui se ah oui, oui, oui. À l'intérieur, une petite armée de vendeurs se tient prête. Dans un magasin de meubles normal, moins de 400 mètres carrés, 100 mètres carrés, vous avez 2 vendeurs. Là, ils sont 7. Comptez l'autre jour, ils étaient 7. 7, c'est franchement... Ça veut dire quoi ? Ben, c'est que le client aura du mal à sortir. Pour comprendre leur méthode de vente, nous nous sommes fait passer pour un jeune couple qui va bientôt s'installer et avons tout filmé avec une caméra cachée. À peine entré dans le magasin, un vendeur nous aborde. Bonjour. Moi, je suis venu la semaine dernière et j'ai vu ce produit-là et puis je viens vous montrer. Quoi. Nous, on partirait sur les 2 canapés. 3 places avec 15 places. Oui. Alors l'ensemble complet fait 9 750 euros. Ah oui, quand même. 9 750 euros. Pour justifier ce prix, le vendeur part dans un discours très technique. Je sais pas, vous avez une densité un tout petit peu plus ferme dans le bas du dos. C'est pas de la magie. Je sais que ça ne vient pas par des kinés ostéopathes, parce que la profondeur, puis aussi pour la largeur. Ah d'accord, carrément, c'est des kinés ostéopathes. Ah oui, pour la profondeur. Ah oui, pour la profondeur aussi, c'est obligatoire. Parce que là, on a combien ? Autre qualité qui peut faire mouche en ce moment, ces canapés seraient soi-disant made in France. À Confo, par exemple, ou à But, ou à Fly. Vous avez par exemple des salons d'entrée de gamme comme ça, par exemple, qui esthétiquement sont jolis, hein, à partir de quoi, 1000 euros, 1200 oui. euros, vous pouvez avoir un fer en complet. Par contre, c'est vrai que nous, on travaille sur une gamme de fabrication française oui. Qui est assez haut de gamme. Alors, c'est sûr que par niveau cahier des charges, ce n'est pas les mêmes produits. Oui. Niveau prix aussi, nous, on est des Après quelques minutes, le directeur du magasin en personne apparaît et vient nous faire une proposition en apparence très généreuse. Moi, je leur fais directement en prix d'usine. Par ensemble complet, je leur ramène livré, installé gratuitement le moyen, 5 958 euros TTC. L'ensemble complet, 5 900 euros. Et livré. C'est leur argument massue pour emporter la vente. Après avoir démarré très haut, ils cassent le prix, ici de 40%. Très très beau cadeau comme ça, ça sera merci beaucoup de visiter pour moi. C'est vrai que ça c'est selon que je suis plutôt notaire, avocat, docteur, parce qu'à 10 000 euros, c'est pas du monde qui peut mettre dans les salles. Après si monsieur n'est pas jaloux, je demanderai une bise de votre future femme. Je ne vais pas marier, ça me dérange pas. Il nous félicite comme si nous venions de faire un très bel achat. Pour abréger la discussion, nous demandons à réfléchir le temps du déjeuner. Mais aurions-nous fait une bonne affaire si nous avions craqué sous la pression pour ces 2 canapés à 6 000 euros ? Pas vraiment. Bonjour madame, vous allez bien ? Et Patrick Dufort, le collègue de Didier Gandillon qui se bat contre ces pratiques, en a la preuve. Dans cette petite guerre, il a eu un coup de chance. Un routier espagnol est venu lui livrer par erreur des meubles qui étaient en fait destinés au magasin éphémère. Donc le transporteur, comme certains de tous nos transporteurs arrivent par ici, sur l'esplanade, est venu se mettre à quai et nous a donné un bon de livraison. Je suis monté immédiatement photocopier pour pouvoir avoir des détails sur cette entreprise concurrente qui s'est installée juste à côté de nous. Ce bon de livraison montre que les canapés en question sont bas de gamme. Il suffit de regarder leur prix d'achat. Donc vous voyez, il y a par exemple 2 canapés Yémen, 3 places, au prix unitaire de 447 euros. Il y a par exemple 2 canapés Ibiza, au prix unitaire de 358 euros. Un canapé Montpellier, au prix unitaire de 500 euros.
55 euros. À votre avis, ils font combien de marge là-dessus? Dans leur magasin. D'après ce que les clients nous disent, ce sont des coefficients multipliés par 7, 8, 9. Vous, par exemple, vous faites combien? Vous multipliez par combien quand vous vendez? Entre 2 et 3. Donc là, ça veut dire que le canapé à 500 euros, on va le trouver combien finalement? Entre 4 et 5 000 euros. C'est vraiment prendre les clients pour des imbéciles, faire croire qu'ils achètent des salons de qualité, alors que ce sont des salons qui sont vraiment des salons premier prix. Et contrairement à ce qu'avait annoncé le vendeur, ces salons n'ont rien de français. Ils sont fournis par une société espagnole. Sur son site internet, on peut même voir le lieu de fabrication des canapés, la Chine. Alors y a-t-il une issue pour ceux qui se sont fait avoir? La chance d'André et de Josette, c'est qu'ils avaient fait un crédit. Ils ont donc profité du délai légal de rétractation de 14 jours pour tout annuler. Et ils veulent maintenant être débarrassés de ce meuble. Oh non, on ne le garde pas. Vous ne voulez plus avoir affaire à ces gens-là? Non. Le couple se rend au magasin accompagné de Didier Gandillon. Il ne veut pas les laisser entre les griffes des vendeurs. Si le client se rendait sur le magasin tout seul avec son épouse, je pense qu'il renégocierait de refaire un rabais, de retrouver une solution, mais pour conserver la vente. Certainement, en rabaissant encore de nouveau le prix qu'ils ont fait sur la literie. C'est bon là, ça tourne là, c'est bon. Les deux personnes âgées, toujours apeurées, préfèrent rester dans la voiture. Didier rentre seul dans le magasin, équipé d'une caméra cachée. Bonjour, je peux voir le responsable du magasin? Parce qu'on a un souci avec un client. Et il ne peut pas s'empêcher de les attaquer sur leur méthode. Je pense qu'on peut faire des affaires sans être malhonnête, sans tricher avec les gens. Les prix sont libres. Si, si. C'est du commerce comme n'importe quoi. Pas de commerce. C'est des gens âgés, c'est moche. C'est des gens vulnérables, c'est abus de faiblesse pour moi. Après, les gens, s'ils ne savent pas se gérer, ils ne savent pas être... Pas des personnes âgées, dites pas ça. Le responsable arrive enfin. Bonjour. Ces gens sont dehors sur le parking. Soit vous me dites, vous annulez la vente, vous reprenez le produit. Pourquoi? Parce que voilà, parce qu'ils veulent plus rien, ils avec vous. Ils ont été escroqués. Bonjour. Vous pouvez venir, madame, on ne va pas vous manger. Quel est votre problème, en fait? On a acheté un lit électrique. Le lit électrique est affiché 7 600 €. Oui. Vous pensez que c'est le prix d'un lit électrique? Il faut voir des contrôles, les gars. Vous allez le voir, mais vous voyez les contrôles. Non, moi je vais savoir. Il ne rentre pas. Si vous êtes... monsieur, quoi qu'il arrive, on ne va pas... Non, moi c'est bon, moi c'est baissé. Il y a un problème sur... Il ne règle pas, le problème est réglé. Ils ne veulent plus, non, aujourd'hui. Non. La discussion tourne court. Mais comme le crédit a été annulé, le magasin n'a pas touché d'argent. Et les vendeurs sont venus récupérer le lit. Josette et André s'en sortent bien. En revanche, ceux qui paient comptant en sont souvent pour leurs frais. D'autant plus que par définition, ces magasins éphémères disparaissent dans la nature au bout de 2 ou 3 mois. Et il est très difficile de retrouver leurs traces. Pour la société dont se plaint notre couple de retraités, le siège se trouve à Mérignac, près de Bordeaux, dans ce quartier d'affaires. Il est domicilié à cette adresse. Mais il n'y a aucun responsable. On cherche la société... Oui, c'est ici, mais il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau? Non, c'est une boîte postale. Non, ils ne sont pas là, en fait. Il n'y a que du courrier qu'on réexpédie. Ils ont beau se faire discrets, ces propriétaires de commerces douteux se font parfois rattraper par la justice. À Boulogne-sur-Mer, celui-ci a été condamné pour pratiques commerciales trompeuses et tromperies sur la marchandise. Certains écopent même de prison ferme. Mais la plupart du temps, pour qu'il y ait des poursuites, il faut que les plaintes se multiplient. Et c'est toute la stratégie de Didier Gandillon. Il pousse chaque client mécontent dont il a connaissance à aller voir les gendarmes. Voilà la commande. C'est dur de trouver des gens qui veulent porter plainte? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et puis des gens qui préfèrent régler leurs problèmes à l'amiable, quitte à récupérer leurs sous, à rendre le produit, voilà. Et une majorité de gens, je pense, qui n'osent pas déposer plainte par de peur de représailles. Et il a réussi à convaincre Josette et André. Mais ce jour-là, la petite gendarmerie du coin est fermée. Ils en sont réduits à expliquer leurs problèmes à cet enquêteur de passage. Des plaintes, ouais. Parce que sinon, le bille. Et suite à vos clamations, ils n'en ont pas tenu compte alors? Le jour même, on ne voulait pas.
Malgré nous. Je m'occupe de vous, vous inquiétez pas. Vous aurez de mes nouvelles. J'en prie. Allez, au revoir, messieurs, dames. Le couple a finalement réussi à porter plainte un peu plus tard. Aujourd'hui, ces sulfureux magasins éphémères se portent bien. Il serait plus d'une centaine dans toute la France.